Mademoiselle, vous avez enfin obtenu Zermatt? C'est la troisième fois que je vous demande Zermatt. Oui, Zermatt, en Suisse, l'agence Belloir, priorité police. C'est madame la préfète elle-même à l'appareil. C'est... Oh, la garce, elle a raccroché. Mademoiselle, s'il vous plaît, elle ne décroche même plus. Eh ben voyons, c'est plus simple comme ça. Alors? Rien! Comment rien? Le prince t'a dit quoi? Rien! Comment, chérie? Je ne l'ai pas vu! Tu l'as pas vu? Mais il t'a pourtant accordé une audience! Ah ben oui, ben l'oublie! Il paraît qu'il était au golf! Avec cette pluie? Oui, je pense en effet qu'il n'était pas au golf! Oh, ça me ça y est! C'est signé! Mais non! Plus de préfet, plus de police! Nous sommes liquidés. Le secrétaire du prince... Nicolo m'a... Oui, Nicolo, tu sais qu'il nous aime beaucoup, Nicolo. Eh bien, il m'a assuré que le décret était sur le bureau du prince, mais qu'il ne l'avait pas encore signé. Oui, mais c'est une question de minutes. Et nous devenons quoi? Je pense qu'on nous le dira. Je vais te le dire. Où est-ce que nous devenons? La risée de la principauté. Écoute, je t'en prie, Madeleine. Tiens, le décret n'est pas encore signé. Mais déjà, il n'y a même plus moyen d'obtenir une communication téléphonique. Je voulais décommander la villa de Zermatt pour cet été, impossible. Les standardistes ne décrochent même plus. Enfin, la police dans un pays, c'est le fondement de l'autorité, la base de la discipline, la garantie de la morale. C'est ce que je voulais dire au prince. Bah oui, seulement tu ne l'as pas vu. J'avais pas compris que c'était pour tout de suite, moi. En général, ce qui n'est pas pour tout de suite, c'est pour jamais. Ben, le ministre des Finances a décrété la procédure d'urgence. Paul Rivet? Ben, naturellement, Paul Rivet. Ah. La balance des comptes est en déficit constant, alors il a imaginé cette économie. Ça, c'est ce que tu crois. Comment ce que je crois? Je te dis que ce n'est pas du tout une idée de Paul Rivet. Ah oui, c'est une idée de qui? De sa femme, c'est évident. Oh. Et ce n'est pas la police qui est visée. Ah oui, qui est-ce? C'est moi. Oh. Parfaitement, monsieur, parfaitement. Gilberte Rivet a toujours été jalouse de moi. Elle était jalouse de tout. Quand nous étions en pension, elle était jalouse de mon style en dissertation, de mes toilettes, puis plus tard de mes seins. Oh, ben dis donc. Parfaitement. Puis de mes appartements qui donnent sur les jardins du palais. Les bâtiments du ministère des Finances sont d'une telle tristesse. Ah, je dois dire que nous n'avons plus rien à leur envier. Nous aussi, nous fuyons dans des ruines. Tiens! Tout est à repeindre, tout est à refaire. Et Gilbert est hypocrite avec ça. Je l'ai rencontrée encore hier, chez le coiffeur. Quand je suis arrivée, elle était sous le casque. Elle m'a crié, oh, chérie, darling, oh, je l'aurais griffée. Non, mais chérie, tu perds la tête. Je perds la tête, c'est moi qui perds la tête. Quand je suis la seule à voir clair. Et toi, comme un sot, il a fallu que tu favorises ses projets. Ah bon, moi, j'ai favorisé ses projets. Parfaitement, toi. Quand tu rentrais le soir du bureau et que je te demandais, alors, chérie, quoi de nouveau? Tu me répondais rien, chérie. Eh ben oui, rien. Et comment rien? Pas de hold-up? Pas de meurtre? Pas de vol? Non, chérie, non. Grâce à ton mari, oui. Grâce à notre police si bien faite, il ne s'est encore rien passé aujourd'hui. Alors, oui. Oh. Merci, Gorgepeau. Qu'est-ce que... Plus de riz de veau. Quoi? Le boucher qui nous gardait un riz de veau tous les matins, vient de répondre à Gorgepeau qui l'avait vendu. Voilà. Plus de riz de veau, plus de priorité police, plus de villa à Zermatt, plus rien. Nous n'avons plus droit à rien. Mais d'ailleurs, tout ça est normal, il n'y a qu'à lire les journaux, tiens. Rien que pour ce matin, en Allemagne, attaque d'un fourgon postal. 40 millions de Deutsche Mark enlevés par des bandits masqués. Oh, oh. En Angleterre, nouvelle victime du sadique à la moto. En France, oh ben alors là ça marche, c'est fou. 3 cambriolages, 2 hold-up, 4 prises d'otages. En Suisse, dans le canton de Vaud. C'est pas grand, enfin c'est tout petit le canton de Vaud. Eh ben ils ont quand même un crime passionnel. Tu te rends compte? Un crime passionnel chez les Suisses. Un agent de change fou de jalousie vide son chargeur sur son amie, la femme d'un banquier. Et voilà. Et chez nous rien. Tiens, néant. Le même néant depuis 5 ans. Un néant dont je suis fier. Oh, c'est un con. Parfaitement. J'en suis fier.
Je suis fier d'avoir fait de mon pays, grâce à mes méthodes, un pays sans viol, sans vol, sans escroquerie, sans crime, sans prise d'otage. Et demain, sans police. Oh ! Tes méthodes avaient tout prévu, sauf ça. Sauf Gilbert Trivet et sa jalousie. Sauf le manque d'imagination de nos ministres. Avoue que le raisonnement est tout bête. Il faut faire des économies, mais rien de plus simple. Pourquoi garder une police puisqu'elle ne fait rien ? Pauvre papa. Non. Oh, s'il voit ça. J'en étais sûr. Tu étais sûr de quoi ? Oh, mais j'étais sûr que ton père finirait par venir sur le tapis. Il a le droit de venir sur le tapis, mon père. Et comment ? Le plus grand préfet de police de notre histoire. Alors là, mon petit bonhomme, attention. S'il y a un sujet sur lequel je ne tolérerai pas ton ironie, c'est papa. Jamais un mot sur papa. Police, t'as fait quoi ? Jamais, madame. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Madame a sans doute oublié l'individu qui attend dans le petit salon. C'est vrai, il y a un type qui t'a demandé qui t'attend depuis 20 minutes. Qui ça ? Un sieur Landier. Landier ? Albert Landier ? Landier Albert Louis Onésime, sans fiche au dossier anthropométrique. Notre service de renseignement l'indique comme caissier aux établissements Belmont. Les sardines à lui. Albert Landier, nous étions pensionnaires ensemble au lycée. Oui, tu vas pas le recevoir maintenant. Oh, ben si, oh. Tiens, je me souviens, quand j'ai succédé à ton père, il avait été le premier à me présenter ses félicitations. Je me demande ce qu'il peut bien vouloir. Il a appris ce qui t'arrive. Il veut être le premier à te présenter ses condoléances. Oh, écoute-toi, tort. Landier est un garçon très bien, très bon élève, toujours prix d'excellence, très bonne éducation. Écoute, je ne suis pas d'humeur à t'entendre bêtifier sur tes souvenirs de dortoir. Tu redevras son ami sans moi. En somme, monsieur le préfet, c'est désespéré. C'est cuit, mon ami. Landier. Comment vas-tu? Mon vieux Landier! Ça me fait plaisir! Ça me fait plaisir de te retrouver! Je suis très heureux de voir que son Excellence se souvient encore de moi. Oh, dis donc, je t'en prie, hein. Fiche-moi la paix avec son Excellence! Au lycée, on se tutoyait! Eh ben, tu vas me faire le plaisir de continuer! Ah oui, mais c'est qu'au lycée, en blouse grise, c'était facile! Tandis qu'ici, je n'en sais jamais. Et si je t'en donne l'ordre? Ah, bah, c'est son Excellence. Non. Pardon, Tu. Je vais essayer, je te le promets. Ah, assieds-toi. Qu'est-ce qui t'arrive, mon vieux? Voilà, mon vieux. Pardon, Excellence. Je veux dire, voilà, ce qui m'arrive. C'est affreux. Si je me souviens de toi, tiens, la seule fois où j'ai eu la moyenne en composition de mathématiques, eh ben c'est le jour où tu m'avais passé ton brouillon. Et puis aussi au concours de commissaire de police. Ah, mais là, j'étais déjà fiancé avec la fille du préfet. Miracle de l'amour. Oui. Et alors, depuis tout ce temps, alors, tu es devenu quoi? Ben, je ne suis pas devenu. Non, je suis resté. Au conserverie réunie, tu sais, les sardines à huile. Ah oui, chez Belmont. Ah, tu le connais? Oh, bah Belmont, tu parles. Ah, bah, ouf, je l'ai rencontré très souvent, ben, à la chasse chez le prince, tiens, plusieurs fois. Oui, je sais que M. Belmont est un habitué du palais. Oh, bah, c'est un ami personnel de Sa Majesté, alors tu m'as compris, hein. Et tiens, je lui ai même rendu un service une fois à Belmont. Un service important? Ah, ben oui, assez, oui. Tant mieux. Alors, comme ça, tu es directeur commercial chez Belmont. Oh. Directeur commercial, non. Un comptable. Simple comptable? Premier comptable. Mais comment, toi, un élève si doué, comptable chez Belmont? Bah, imagine-toi qu'un jour, comme ça, pour remplacer un cousin malade, je suis entré chez Belmont comme caissier pendant les vacances, en attendant. En attendant quoi? Je ne sais pas. J'attends toujours. Eh ben moi, tu vois, pendant tout ce temps... je sais. Ah, ça doit être merveilleux d'être ainsi redouté, honoré, respecté, d'avoir une belle situation, un brillant avenir. Oui, en principe, parce que tu sais, pour l'avenir comptable chez Belmont, ben, c'est plus sûr. Oui, tu sais, dans certaines circonstances, cette certitude peut disparaître. C'est même la raison de ma visite, je suis venu te voir comme ami, mais aussi comme préfet de police. Ah ben alors écoute, dépêchons-nous, hein, parce que ton ami, je le resterai toujours, mais préfet de police... enfin, qu'est-ce qui t'arrive? C'est simple et affreux, j'ai volé. Tu as volé? Oui, oui mon vieux, j'ai volé. Mais tu as volé... Tu as volé ou tu as volé? Non, j'ai volé, j'ai commis un vol.
Un vol? Ben oui, mon vieux, un vol. Non, tu dis bien un vol? Je dis bien un vol. Toi, Landier? Mais oui, moi, Landier. Toi, Landier, tu as commis un vol? Oui, moi, Landier, j'ai commis un vol. Mais c'est pas possible. Si, hélas. Mais tu as volé quoi? De l'argent. À qui? À Belmont, mon patron. Mais volé avec effraction? Ah, non, ah, Dieu merci. Non, d'ailleurs, c'était bien inutile. Voler avec effraction, quand on a la clé du coffre, c'est une idée qui me serait pas venue, tu vois, non. Non, j'ai volé de la façon la plus naturelle. Enfin, pour un comptable. J'avais besoin d'une certaine somme d'argent dont je ne possédais pas le moindre sou, alors je l'ai emprunté à la caisse de la maison sans rien dire à personne, parce que j'avais l'intention de la remettre 3 jours plus tard, demain, le jour de la paye. Mais la chance était contre moi. Hier, l'expert comptable est arrivé inopinément pour vérifier les livres. J'étais sorti pour une course, je n'ai rien pu faire. C'est ainsi que je suis devenu un voleur, tout innocemment. Après 15 ans d'une vie exemplaire, d'une carrière sans reproche, moi, Adler Landier. Mais il ne faut pas te mettre dans un état pareil. Tu manipulais des sommes considérables, tu touchais un salaire de misère, alors ben forcément, un jour, ça devait arriver. Non, vois-tu, pour moi, c'est pas toi le coupable. Oh, merci, Jules, mais là, tu réagis plus en ami qu'en policier. Non, on n'a pas idée, quand on a un collaborateur de ta qualité, de le laisser moisir dans un emploi si médiocre. Hein, non, ça, franchement, Belmont n'a pas volé. Oh. Pardon. Et tu as volé combien? Ben, 100 000. 100 000? 100 000 francs. Ouais. Ancien. Comment, 100 000 francs aussi? Ah ben, mais 1000 francs alors? Oui. Oh, tu n'as volé que 1000 francs! Ah oui, mais enfin, la somme importe peu. C'est le geste qui compte et je l'ai commis. Mais si ça, je compte de 1000 francs, tu m'as fait peur. Mais je vais te les prêter tout de suite. Tu iras les remettre dans la caisse et tu reviendras déjeuner avec nous. Non, c'est trop tard. C'est trop tard. Les coffres sont fermés. Les livres sont entre les mains de l'expert. Le poteau rose va être découvert. Peut-être même l'est-il déjà. Non, je suis désolé. Bon, tu dramatises. Je suis sûr que tout peut encore s'arranger. Je vais les trouver Belmont. Je lui rendrai ses 1000 francs, je lui demanderai d'arranger l'affaire sans bruit, et crois-moi, je suis sûr qu'il acceptera. Mais alors, il faudrait y aller tout de suite, là. Oui, c'est entendu. Non, mais tout de suite, immédiatement. Bah oui, à la minute. Tu es sûr qu'il n'a pas oublié le service que tu lui as rendu? Oh, bah bien sûr, et puis alors, s'il s'en souvient pas, je le lui rappellerai, compte sur moi. Dis donc, toi, en attendant, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, si ça t'ennuie pas, j'aimerais mieux rester ici, tu comprends? Parce que si dehors, je rencontrais quelqu'un du bureau, si je tombais sur M. Belmont, par hasard... Ah, oui, tu as tout à fait raison. Bon, bah écoute, tu resteras ici. Ouais. Tiens! Tu déjeuneras avec nous. Oh. Et si c'est pas arrangé ce soir, tu coucheras dans la chambre d'amis. Je vais prévenir Madeleine, je lui ai souvent parlé de toi. Elle sera ravie de te connaître. Tu m'as appelé? Oui, Gorgepont, installez monsieur dans le petit salon, servez-lui l'apéritif, donnez-lui de quoi fumer, des journaux, enfin, que personne ne le dérange. À tout de suite. Oh, je ne sais pas quoi te dire, tu me sauves la vie. Oh. Ah si, pardon. À tout de suite. Allô? Allô? Ah, oui? Ah, Zermatt, c'est ça? Oui, ne quittez pas, mademoiselle, une seconde. Une seconde. Madeleine! Madeleine! Oh, tu as Zermatt, là, tiens. Oh, enfin, Zermatt! Toute la matinée, j'ai attendu Zermatt. Allô, mademoiselle, passez-moi d'urgence l'agence Bellois, je vous prie. Bellois, B-E, deux élons, O... Pardon? Vous n'êtes pas Zermatt? Comment? Mais qu'est-ce que ça signifie? Je vous ai demandé, Zermatt, ne me dérangez que lorsque vous l'aurez. C'est insensé, l'irrespect des standardistes. Tiens, encore un résultat de tes méthodes. Il est parti, ton labadin? Non, il est dans le petit salon. Je voulais te dire, si ça te dérange pas trop, oui. Enfin, si tu n'y vois pas d'un bon, ben, qu'est-ce qu'il y a, alors? Il va probablement déjeuner avec nous. Ah, toi, pour lancer des invitations à l'improviste, tu choisis ton jour. Bah, tu sais, il mangera ce qu'il aura. Oh, il est certain que ce n'est pas aujourd'hui que je vais commander de la cuisine. Oui, je voulais te dire aussi, il va probablement être obligé de... De quoi? De coucher ici. Ah ben, dis-le tout de suite, il est venu passer ses vacances chez nous. Non, mais en vérité, il a de gros ennuis. Oh, son propriétaire l'a flanqué à la porte. Mais je vais t'expliquer. Oh, explique-moi, chérie, mais vite, alors. Eh ben, voilà, oui. Landier, enfin, mon ami, n'est-ce pas, vient de m'avouer quelque chose d'assez grave. Alors bon. Il a volé. Il a volé. Eh ben, qu'est-ce que tu veux? Il a volé? Il a volé. Non, mais attention. Il a volé. Oui, il a volé. Ah non, il a volé. Il a commis un vol. Un vol? Ah oui, un vol. Tu dis bien un vol? Ah oui, ça, je dis bien un vol. Ton Landier? Oui, Landier a commis un vol. Un vol, selon la définition légale, code pénal, livre 1, article 61. Non, écoute, c'est pas possible. Tu dis ça pour me faire plaisir.
Non, je te dis ça parce qu'il vient de me l'avouer. Il a volé quoi? Bah, de l'argent. Un vol bien? Qu'est-ce que tu entends par un vol bien? Un vol à main armée? Oh, mais non, mais non, mais non, mais non, heureusement non! Une escroquerie. Une simple escroquerie. Une escroquerie importante, plusieurs millions? 100 000 francs. 100 000 francs? Oh, ancien. 1000 francs? Il a volé 1000 francs? Mais c'est ça que tu appelles un voleur? Oh, écoute, Madeleine, ne le juge pas sévèrement. Il est comptable chez Belmont, il a eu un besoin subit de cette somme, ben, il a pris dans la caisse. Il comptait la remettre, il a été surpris. En somme, rien de bien terrible. D'ailleurs, c'est ce que je vais expliquer de ce pas à Belmont. 1000 francs, quand on a sa fortune, c'est pas grand-chose qu'il flanque Landier à la porte et qu'on n'en parle plus, mais surtout qu'il ne porte pas plainte. Ce pauvre Landier est déjà assez puni comme ça, il est inutile qu'il soit en plus déshonoré. Jules, est-ce que tu n'es pas devenu subitement fou? Fou, pourquoi? Comment, pourquoi? Voilà 5 ans que nous l'attendons, ce vol. Nous l'avons même tellement attendu que nous allions disparaître avant qu'il n'arrive. La Providence nous l'envoie juste au moment où le couperet va tomber et tu irais arranger l'affaire, escamoter le coupable. Mais écoute, Madeleine, il a volé 1000 francs. C'est un voleur, c'est tout ce que je sais. Mais écoute-moi. Je n'écoute rien et tu n'iras pas chez Belmont. Ah, si j'irai, Landier est un ami. Je ne te félicite pas, 1000 francs, minable, petit minable. Je lui ai promis d'aller chez Belmont. Je lui ai promis formellement, il a confiance en moi et en toute morale. La morale, Jules, c'est que les voleurs soient punis. Bon, mais j'irai chez Belmont. Tu n'iras pas. Ah non, c'est ridicule. Tu n'iras pas. Mais c'est ridicule. Oh, ce que tu m'énerves de te mettre dans un état pareil. Le gouvernement a eu un mal fou à mettre en route ce train d'économie budgétaire. Tu penses bien qu'il va pas le stopper pour un vol de 1000 francs? 1000 francs, c'est ce qu'il t'a avoué. Il ne t'a peut-être pas tout dit. Il a peut-être volé 10 fois cette somme. 100 fois. Attends, 100 fois 1000 francs, ça fait 10 millions. Oh, mais Landier, mais t'es folle. Parce que toi, policier, tu as confiance dans ce que te dit un ami. Un voleur, sous prétexte que c'est un ami. Belmont aussi est ton ami, et c'est le volé, lui. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon, madame la préfète, mais il y a là 2 messieurs du garde-homme national qui viennent faire l'inventaire du mobilier. Déjà? Ils disent que c'est en prévision de sa récupération. Oh, allez dire à ces messieurs que son Altesse n'a pas encore signé le décret. Voilà. Et... Non, je leur ai dit, madame, mais ils disent que de toute façon, ce qui est fait sera fait. Les vautours, ils n'attendent même pas pour le détrousser et que le cadavre soit mort. Oh, je ne veux pas les voir, Gorgepot. Je ne veux pas les voir ce matin qu'ils commencent par le fils. Nous n'allons pas attendre comme ça, ça ne va pas. Oh là, oh là. Excusez-moi, monsieur le préfet, madame. Gorgepot n'était pas là et comme c'est urgentissime, je suis entré directement. Mais vous avez bien fait, capitaine. Non, monsieur le préfet, vous ne devinerez jamais ce qui est arrivé chez Belmont. On les indigne à lui. Bah, un vol. C'est ça. Mais qui vous l'a dit? Oh, il a deviné. Oui, c'est ça, j'ai deviné. Ah, vous, par exemple? Transmission de pensée, il est étonnant. Alors? Le premier comptable est en fuite, un nommé Landier, Albert. Il a disparu hier soir. À l'heure qu'il est, il doit être loin. Qu'est-ce qui vous fait croire ça, capitaine? Mon flair de fin limier qui ne trompe jamais. Ah. On a besoin de monsieur le préfet au bureau. J'arrive, par qui? J'arrive. Bon, si on n'avait pas vu ça depuis si longtemps, bureau, oui. C'est l'affolement, on ne retrouve plus rien. Excusez-moi, madame, à tout de suite, monsieur le préfet. Merci, Barbatier. Oh. Voilà! Ça y est. C'est découvert! Je suis contente! Pauvre Landier. Oh, il était venu se réfugier chez moi, en pleine confiance. Mais être obligé de l'arrêter. Mon cher, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons qu'un voleur et c'est lui. Ah, mais en tout cas, je ne l'arrêterai pas ici. Hein. Non, surtout pas, si ça s'apprenait. Tu dois l'arrêter ailleurs. Il faut trouver le moyen de le faire sortir maintenant. Et moi qui l'avais invité à déjeuner. Je m'en charge. Tu n'en fais jamais d'autre. Oh oui, ça m'embête tellement de le recevoir. Ben, oh oui, tu t'en charges. Je m'en charge. Toi, Phil, pour une fois qu'on a besoin de toi au bureau, oui, oui. Allez vite. Mais alors, Madeleine, promets-moi de ne pas être trop désagréable avec lui. Non, hein. Je serai charmant, je lui expliquerai. Tout, je ferai tout ce que tu aurais dit, je lui dirai. Oh mon Dieu, quelle matinée. Voilà. Donc, j'ai appelé le monsieur qui est dans le petit salon. Et vous l'installez. Ah, une seconde, je n'ai pas fini, restez ici. Oh, quelle matinée. Allô? Oui? Le cabinet du prince? Le secrétaire particulier, mais bien sûr. Passez-le moi. Allô? Bon, bonjour, Nicolo. Mon mari, mais il vient partir pour le bureau. Vous pensez, avec tout ce travail, ce matin, c'est. Belmont a téléphoné directement au prince. Oh mon Dieu. Et le prince a décidé que tant que le voleur ne serait pas arrêté, il ne signerait pas le décret qu'il a sur son bureau. C'est pas possible, Nicolo, je rêve. C'est trop beau. J'ai bien compris. Si on ne retrouve pas ce voleur, nous restons préfets. Gorge de peau, ça y est, le sursis. Allez. Ah, allez, oui. Grâce au petit minable qui attend dans le salon. Regardez, qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Regardez vite. Il regarde la pendule, vêtements. Oh, c'est parfait. Vous le faites entrer, j'ai fini. Merci, Nicolo. Merci de nous avoir appelés. Quel ami précieux vous êtes. Je ne l'oublierai jamais. Au revoir. Oh,
Bonjour, monsieur. Je suis madame la préfète. Ah, mes hommages, madame. Mon mari m'a mise au courant de votre situation. Malheureusement, j'ai une assez mauvaise nouvelle à vous annoncer. Ah. Avant même que Jules, enfin, monsieur le préfet, soit arrivé chez lui, Belmont avait déjà porté plainte contre vous. Que voulez-vous, madame? Je n'ai que ce que je mérite. C'est la loi. Je vais de ce pas remettre mon sort entre les mains de la police. Vous voulez vous rendre? Mais quelle idée! Mais pourquoi? Madame, parce que c'est naturel. Mais pas du tout, monsieur. Ce qui est naturel pour un voleur... Oh, pardon. Non, vous excusez pas, madame, c'est le mot juste. Oui, non, ça je sais, merci. Je veux dire, ce qui est naturel pour un... pour les gens que la police recherche, voilà, c'est ça, c'est de s'enfuir, de se cacher. Non, j'ai déjà causé assez d'ennui à mon ami, monsieur le préfet. Mais c'est son métier, Jules, de vous courir après. Il est payé pour ça, lui et tous ses subordonnés. C'est pas une raison parce que vous êtes son ami d'enfance pour vouloir lui éviter ce souci. Croyez-moi, monsieur, vous lui rendez un très mauvais service. Oui, non, mais je n'ai pas le courage de fuir. Je suis tellement sûr qu'ils me rattraperont tout de suite. Oui, oh, oh, alors là, ne soyez pas si pessimiste. Ils n'ont pas tellement l'habitude. Ah. Et vous avez l'air tellement plus intelligent qu'eux. Oh, oh, oh non, vous ne me convaincrez pas. Ah non, je comprends très bien que monsieur le préfet n'ait pas voulu m'arrêter ici. Mais je vais aller me rendre à lui dans son bureau. Mais je vous l'interdis, monsieur. Mais ça... Madame, que voulez-vous que je fasse? Bien de vous le dire, fuir, fuir et vous cacher. Mais... je ne sais pas. Quand vous avez volé, quand vous avez pris ces 1 000 francs, vous aviez bien prévu un endroit où vous pourriez disparaître si l'affaire tournait mal. Ah non, madame, non, pas du tout, non. Ah, on n'a pas idée de voler avec tant de légèreté. Ben. Il faut trouver un endroit où personne n'ait l'idée d'aller vous chercher maintenant et le trouver rapidement, cet endroit, parce que ça devient urgent. Hein? Bah, cherchez un peu, vous, monsieur. Aidez-moi, je suis là à me débattre. Mais je cherche, madame. Je cherche. Je me débats, madame, aussi. Seulement, je n'ai pas l'habitude de fuir. En général, je passe inaperçu. Alors, je ne sais pas, j'ai aucune idée, moi. Ici. Ici, oh, sûrement pas. Ici. Mais vous avez raison. Mais c'est une merveilleuse idée. Mais bien sûr, vous allez vous cacher ici. Oh, non, madame, je disais ça, mais c'est impossible. Impossible, mais réfléchissez. Qui osera venir vous chercher dans l'appartement du préfet de police? Madame, songez-y, je suis un voleur. Bah oui, monsieur, et alors? Eh bien, madame, non, je ne veux pas que par amitié pour moi, monsieur le préfet court un pareil risque. Mais enfin, Jules sera ravi, il vous adore. Depuis notre mariage, il ne s'est pas passé une semaine. Qu'est-ce que c'est, une semaine? 8 jours, sans qu'il me parle de vous, de votre amitié d'enfance, si touchante. Il regrettait que je ne vous connaisse pas. Et ben voilà qui est fait, grâce à... Évidemment, j'aurais préféré que ce soit dans d'autres circonstances. Mais vous n'imaginez pas à quel point je suis heureuse de vous avoir rencontré. Et je comprends l'engouement de Jules. Ça vous met très, très sympathique. Et je ne pourrais pas supporter l'idée de vous savoir en prison. Ça... Nicolo. Oui, Nicolo m'a téléphoné. À moi aussi. Oh, chérie. Ouf! Nous l'avons échappé belle, hein? Ça y est. Sais-tu ce que voulait faire ton ami Landier? Non. Aller à ton bureau se rendre. C'est pas possible. Mais tu es fou! Ah non, non, non. Il faut qu'il se sauve, hein. Qu'il trouve une cachette sûre. Ah, je lui ai trouvé la meilleure. Où ça? Ici. Ici? Ici. Oui, ici. Mais oui, ici. Ah, mais c'est une idée géniale, tout simplement. Mais il ne veut rien entendre. Oh, non, je vais vous déranger. Les amis de Jules ne nous dérangent jamais. Personne ne sait que tu es là. Ah, ben si, Gorgepot le sait. Mais Gorgepot, j'en fais mon affaire. Il m'est tout dévoué. Il était déjà policier au service de mon père, alors. Allez, accepte. Oui. Tu diras, Madeleine a une cuisinière formidable. Elle réussit tout. Ah, c'est vrai, ça, c'est vrai. C'est... Oh non, je vous assure, c'est D'ailleurs, c'est l'heure du déjeuner. Vous allez rester ici. Vous passerez toute la journée avec nous. Et puis demain, tranquillement, vous prendrez une décision définitive. Alors, puisque vous insistez tellement. Ah, il accepte. Ça, c'est bien. C'est pas tôt. Excusez-moi. Allô, oui. Ah, une seconde, voulez-vous? Ne quittez pas. Allez vous installer, je vous prie. Oui. Allez, viens, mon vieux. Viens te mettre à table. Oh, il a de ses mots. Oh, excusez-moi. Viens te mettre à table. C'est d'un goût. Allô, l'Agence Mondiale Presse. Le rédacteur en chef, oui, bah passez-le-moi, j'attends. Bonjour, comment allez-vous? Si je suis au courant de l'affaire Belmont, bah vous pensez, Belmont est un de nos amis. Quoi? 1 000 francs? Non, enfin, mon cher, vous plaisantez. Enfin, vous étiez au courant, vous, des dispositions qui allaient être prises au sujet de la police. Vous pensez bien qu'on ne les a pas annulées pour un vol de 1 000 francs? Oh non, La vérité, c'est que le trou représente plusieurs millions. Oh, c'est,
C'est une affaire qui s'annonce colossale. Une escroquerie de classe internationale. Oh oui, attention, je vous dis ça entre nous, hein. Pas question de le publier. Non. Ah oui, oui, ben rappelez-moi. Si je suis autorisée à vous dire quelque chose, je vous promets, en ami, je vous le dirai. Au revoir, à bientôt. Ça peut marcher, pourquoi pas. Et maintenant, si Dieu m'aide, Dieu et quelques autres, je vais la faire revivre, moi, la police de papa. Ah, ah, cher monsieur Landier, si vous aviez connu papa. Oui, je sais que monsieur votre père était un très grand préfet. Ah, le plus grand de notre époque, monsieur. Passionné de son métier. Si vous aviez vu ce qu'il en avait fait de la police, avec quel talent il l'avait organisé, avec quel amour. Il ne vivait que pour elle. Nous avions des inspecteurs, des commissaires, des officiers, des sous-officiers. Et des coupables. Des coupables? Ah ben, nous en avions partout, la maison en était pleine. Ici? Ici, parfaitement. Nous avons toujours eu des détenus comme domestiques. Tenez, quand j'étais petite, c'est un escroc qui m'a appris à compter. Et savez-vous qui m'a servi de nurse? Un satyre. Oh! Qui était notre maître d'hôtel? Un pickpocket. Une opère. Et puis quand nous n'avons plus eu de détenus, nous avons dû nous rabattre sur les policiers. Mais on dira ce qu'on voudra. Pour tenir une maison, ça ne vaut pas les voleurs. Encore un peu de brioche. Oui. Je vous remercie, madame. Je n'ai pas très faim. Mais s'il faut manger, les émotions, ça creuse. Et puis la brioche, oui, ça se mange sans appétit. Prenez un peu de brioche. Voilà. Papa a eu une vague de criminalité magnifique. Jim, l'éventreur, c'était papa. Tout mignon, le proxénète des baronnes, c'était papa. Le faux monnayeur, Torrent, qui imprimait ses billets sur les presses mêmes de l'imprimerie nationale, c'était papa. Et j'en oublie, il y en a eu. Monseigneur Pilu. Le faux archevêque, pilleur de troncs, admirable figure du crime. C'était papa. C'était papa. Enfin, attention, quand je dis c'était papa, je veux dire c'était du temps où papa était préfet, bien sûr. Vous avez bien compris. Papa disait toujours, ce sont les grands policiers qui font les grands bonheurs. N'est-ce pas qu'elle est bonne, cette brioche? Délicieuse. Le pâtissier l'a fait spécialement pour nous, mais c'est moi qui lui ai donné la recette. Et c'est papa qui avait fait construire notre prison modèle. 180 cellules, ultra moderne. Vue panoramique, air conditionné, musique douce. On lui avait reproché de voir grand à l'époque, mais voyez-vous, il était comme ça, papa. Large et. Mais je m'aperçois, vous n'avez pas encore goûté ma confiture d'orange amère. Non, vous ne pouvez pas me refuser, je ne le supporterai pas. Je la fais spécialement pour nos amis et pour nous. Non. Alors ça goûtait tout de suite, tout de suite. C'est. Ah. Voilà. Et vous me donnez franchement votre avis. Alors j'attends. Alors, c'est affameuse. Vraiment. Ah. Oh merci, ça vous fait plaisir. Qu'est-ce que je dis? Ah oui. Et puis papa est mort. Et Jules a pris sa place. Et très vite tout ça a périclité. Un jour nous n'avons plus de délinquants, puis plus de détenus. Alors évidemment la prison modèle est devenue inutile. Savez-vous ce qu'on a osé en faire? Des HLM. Ah vous le saviez? Oui j'y habite. Oh. Est-ce que ce n'est pas une honte? Bon, c'est confortable. Moi, je ne vous le fais pas dire, monsieur Landier. Vue panoramique, air conditionné pour des HLM. Vous savez, il les aimait ces prisonniers, papa. Que voulez-vous? Jules a toujours eu de son métier une vue trop simpliste, n'est-ce pas? Pour lui, il y a d'un côté les honnêtes gens qu'on laisse en liberté, et de l'autre, les malhonnêtes que l'on met en prison. Et puis c'est tout. Alors que ce n'est pas ça? Non, bah, pas du tout. Oh, c'est une vision manichéenne des choses. Il y a tout un monde entre les deux. Le milieu, les gens qui constituent pour la police le fond de clientèle. Ce sont eux qui lui fourniront toujours la grande affaire. Mais à condition qu'on joue avec eux, qu'on les laisse aller et venir. N'est-ce pas? Tenez, on dit toujours un repris de justice. Eh bien, pour qu'il soit repris, il faut bien qu'on l'ait laissé s'échapper. Voyez, comme tout ça est nuancé. Encore un peu de thé chaud. Oh, vous êtes comme moi. Vous aimez le thé, n'est-ce pas? Encore quelque chose qui nous... Oh. Il en a eu des grands voleurs, papa. Tenez,
Il avait décrit ces deux volumes. Ce sont à la fois ses mémoires et son testament spirituel. Dans le premier, il raconte en détail tous les grands vols, tous les crimes spectaculaires commis au cours de sa carrière. Le second, c'est plutôt son éthique de la police. Il faut absolument que vous les lisiez, vous allez être... emballé. Oh. Ah, oui, non, je veux dire, je pense que ça vous plaira beaucoup. J'en suis sûr, madame. Bien sûr, ce n'est pas du tout pour le grand public, mais pour Jules, quel guide, s'il avait voulu, enfin, s'il n'avait pas été le médiocre qu'il est. Ah non, madame, ça, je proteste. Personne n'a le droit de dire que Jules... Merci, je sais qu'il est votre ami, mais il faut dire les choses comme elles sont. Placé à la tête de notre police, Jules s'est révélé d'une incapacité absolue et prétentieux avec ça. Alors, oh chérie, nous parlions de toi, justement. Oh. Ah, ben dis donc, toi, ça a l'air d'aller, hein. J'en ai honte. Profite-en, profite-en. Dis donc, te va bien, ma robe de chambre? Ah, tu trouves aussi? Ah, oui. Beaucoup mieux qu'à toi. D'ailleurs, je viens de lui donner. Oui. Ah bon? Oui. Alors maintenant, pas de gaffe, s'il te plaît. Ce n'est plus ta robe de chambre, c'est la sienne. Ah ben, je ne savais pas, moi, hein. Je disais ça gentiment. Apporte un peu plus de thé chaud. Ah, très bonne idée, Gorgepot. Servez notre invité. Ah, mais juste une goutte. Voilà, donnez-lui trois sucres. Non, ça le suffira. Et goûtez ça. Ah, j'y tiens. Ah, j'y tiens. Reprenez de la brigueur. Oh, voilà, allez. Oh. Alors, Gorgepot, tout va bien? Tout va bien, monsieur le préfet. Bon, mais... j'ai appris des choses. Ah oui, quelles choses? Vous pouvez parler devant notre invité, Gorgepot. Nous n'avons aucun secret pour lui. Vous savez que j'ai mon indicateur personnel auprès du capitaine Barlatier. Ah oui? Oui, sa femme de ménage. D'après ses renseignements, le ministère des Finances avait proposé à Barlatier, si le prince avait signé le décret, de devenir directeur de l'organisme liquidateur. Et Barlatier avait accepté? Oui, madame. Oh, le traître! Écoutez, le prince n'a pas signé, alors n'y pensons plus. Oh oui, c'est ça, n'y pensons plus. Oh, mais j'y pense. Gorgepot, vous êtes sûr que Barlatier n'a pas un indicateur personnel auprès de moi? Si, bien sûr. Quoi? Il en a un? Que madame la préfète se rassure, c'est moi. Oh! Quel hypocrite, ce Barlatier. Ah oui, alors il s'était bien gardé de nous parler de ça. Mon Dieu, heureusement que tout est arrangé. Enfin, pour l'instant. Pour l'instant, et... et pour quelque temps, j'espère. Vous n'imaginez pas à quel point nous sommes heureux de vous avoir. Et c'est sincère, tu sais. Tiens, hier soir, quand nous avons été seuls, oh, oui. Madeleine, ne tarissez pas d'éloges sur toi. Oh, Bocheru, il vaut mieux qu'il le sache. Et tu as de la veine, tu sais, parce que de tous les copains que je lui ai présentés, hein, tu es le seul avec qui ça a collé tout de suite. Voilà, tu vas être en retard. C'est le bureau, c'est maintenant. Ah oui, 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 j'y vais, oui, d'accord. Alors, toi, occupe-toi bien de lui, hein, et surtout, ne le laisse pas seul, hein. Tu sais, la solitude, c'est pas bon quand on est seul. Je vous prie de l'excuser. Jules n'a jamais eu de la délicatesse qu'à un sens très approximatif. Non, il a été si bon, madame, et vous aussi. Vous avez terminé? Oui, madame, la priorité était très bonne, merci beaucoup. Vous avez votre journal, voulez-vous des cigarettes? Non, non, je ne fume pas le matin parce que ça me fait tousser, ça ne... Merci beaucoup. Oh! Qu'est-ce que... Oh! Oh, ça c'est incroyable, c'est une infamie, c'est un scandale! Qu'est-ce qui se passe? Une abomination! Mais regardez, là, en première page! Oui. Oh, ça... on a le cambrioleur de la banque. Oh! Plusieurs millions ont disparu. Plusieurs millions, ça y est! Mais c'est insensé. Mais c'est plusieurs millions. Oh! Avec ma photo! Et votre photo? Alors là, je comprends que vous soyez furieux. Cette photo ne vous avantage pas du tout. Ah, ça, non, mais c'est pas la photo, c'est plusieurs millions. Enfin, j'ai pris 1000 francs et on m'accuse d'avoir escroqué plusieurs millions. C'est insensé, voyez-vous. Plusieurs millions. On a découvert la disparition d'une centaine de 1000 francs, mais on pense que le cambrioleur qui était considéré comme un professionnel d'une classe exceptionnelle. Ah, professionnel, c'est pour vous, bel hommage. Je m'en serais bien passé, madame. Oui, a réussi à camoufler ses autres détournements. Ah, non, c'est un scandale. C'est une abomination. Ça, je ne laisserai pas passer comme ça. Je vais écrire à ce journal. Quoi? Je vais envoyer un démenti cinglant. Attention, si vous faites ça, on va vous retrouver votre trace tout de suite. Ah, je ne peux pas laisser passer ça sans réagir. Je ne peux pas me laisser insulter. Mais personne façon, ne vous insulte, enfin, monsieur Landier. Enfin, plusieurs millions. C'est du moins ce que vous a déclaré. Le préfet de police. Le préfet de police. Le préfet de police, c'est pas possible.
Ah, ça, je ne peux pas y croire. Jules n'a pas pu faire mais ça. Mais non, mais bien sûr que non, il n'a pas pu faire ça. Mais vous connaissez les journalistes. Vous pensez bien qu'après 5 ans sans le moindre fait divers, ils s'en sont donnés à cœur joie. Enfin, plusieurs millions, oui, madame. Oui, sir. Plusieurs millions. Pas de panique, vous savez, plusieurs, ça commence à 2. Alors, hop là, c'est fini. Je sais ce qui me reste à faire. Mais, vous m'inquiétez, monsieur Lantier. Le temps de m'habiller et je cours au bureau de Jules, madame. Non, ça, vous ne faites pas ça. Non, vous n'irez pas chez Jules. Pour moi. Pour vous, madame? Oh oui, pour moi. Il m'a semblé que ma vie recommençait hier, quand vous êtes entrée dans cette maison. Ne me dites pas que cet espoir est déjà enfui. Je ne comprends pas très bien, madame. Jules, voyez-vous, n'a pas seulement gâché sa vie professionnelle, il a gâché aussi sa vie sentimentale et la mienne en même temps. En fait, je ne suis jamais aussi seule que quand je suis avec lui. Et depuis hier, depuis que vous êtes entrée dans cette maison, il me semble que tout est changé par votre présence. Par ma présence? Oh oui, si vous saviez comme j'étais heureuse de vous entendre parler hier soir, j'étais d'accord sur tout ce que vous disiez. N'est-ce pas? Je vis avec un cancre. Eh bien, c'est fatigant à la fin, la vie avec un cancre. Non, madame, je proteste. Permettez-moi, madame. Je ne vous permets plus de m'appeler madame. Je vous demande de m'appeler Madeleine, comme je vous appellerai Albert. Non, madame, je suis très touchée. Je ne sais que dire pour vous remercier, mais je ne peux pas laisser croire que j'ai volé des millions, madame. Mais vous en seriez parfaitement capable. Vous ne pensez pas ça du tout. Oh, si, je le pense. Et je vous en prie, ne me prenez pas mal. Je pense que vous faites partie des grands. Il y a de grands préfets, il y a de grands policiers, il y a de grands comptables, il y a de grands escrocs. Je ne sais pas si je dois me sentir flatté. Quand je pense à l'injustice du sort à votre égard, vous, le brillant sujet... Oh, Et Jules là, accumulant toutes les chances. Oui, il a surtout eu la chance de vous épouser. Oui, oh, ça c'est vrai. C'est vrai, mais c'est gentil de le dire. Ça me touche beaucoup. Non, mais... Madame... Non, pas Madame Madeleine. Madeleine. Madame Madeleine. Non, pas Madame Madeleine. Alors là, c'est pire que tout. Alors, ça, c'est je gentil. Ne sais pas. Madame Madeleine. Oui. Non, je vous trouve tellement... Tellement tellement quoi? Attention à ce que vous allez dire, je sais. J'ai l'air comme ça de commander, de décider, de trancher. Ce n'est qu'une apparence, vous savez, une défense, voilà. Je suis très romanesque, au fond. Oh oui, très, très faible, très... même très fragile. Oh. Écoutez, c'était pas très bien de votre part de profiter ainsi de la situation. Ça fait rien, vous êtes pardonné. C'est peut-être de ma faute aussi. Je n'aurais peut-être pas dû vous montrer à quel point vous m'êtes sympathique. Et quand je dis sympathique, serrez-moi, Albert. C'est... Oh, vous me trouvez un peu trop franche. Oh, je le lis dans vos yeux. C'est un de mes problèmes, voyez-vous. Je n'arrive jamais à masquer mes sentiments. Mais je vous l'ai dit, je suis une faible. Alors cette fois, plus de remords. Dites-moi, quoi pensez-vous? Dites-moi tout. Ben, je pense à cette histoire de millions. En ce moment-là, à l'instant, c'est charmant. Ça, c'est agréable. Non, mais madame, 1000 francs, c'était si peu d'argent que je pouvais garder le sentiment d'être resté honnête. Surtout avec l'appui de Jules, je pouvais obtenir un non-lieu. Tandis que des millions, non, c'est trop de malhonnêteté. Je vous en prie, ne vous mettez pas à parler comme Jules. Ah, c'est que j'y tenais, moi, madame, à mon honnêteté. Votre honnêteté? Votre honnêteté, elle vous servait à quoi, votre honnêteté? À rien. Comptable, chez Belmont. Confiné dans un placard sans air, à aligner des chiffres, sans autre perspective que la myopie précoce ou la retraite misérable. Permettez, madame. Oh, 2 000 francs par mois pour calculer les centaines de millions que gagne votre patron, vous appelez ça un métier? Madeleine! Dans cette médiocrité que vous souhaitez retomber, oh non, Albert, rassurez-moi, dites-moi que je ne me suis pas trompée à ce point sur vous. Comptable chez Belmont, mais quel intérêt! Du 20%. Quoi? Ben oui, madame, du 20% à peu près, c'est le taux moyen que me rapportaient les sommes que je prenais dans les coffres de M. Belmont pour mes opérations personnelles. Comment vos opérations personnelles? Hier, ce n'était pas votre premier vol? Ah, si, hier, oui. Autrefois, auparavant, c'était des emprunts. Des emprunts? Oui. Ah, vous remettiez l'argent dans la caisse après? C'est pas bête, ça. Ah non, mais toujours, scrupuleusement, ça. Ah c'est, bon? C'est le rêve de tous les comptables. Gagner de l'argent malhonnête sans cesser de rester honnête. Seulement, en général, ce sont des médiocres. Alors, ce rêve, ou bien ils ne le réalisent pas, ou bien ils le ratent et ils se font prendre. Tandis que moi, je l'avais réalisé. Mais bravo, monsieur. Et c'était quoi, ces opérations, par exemple? Bon, c'était très varié, des prêts à très court terme, des coups de bourse, des tiercés, plus ou moins truqués. Ah oui. Mais alors, soyons francs maintenant. En 15 ans, tout ça a dû vous rapporter des millions. Oui, peut-être. Oui. Seulement, je ne les ai pas volés.
Ce sont des millions qui n'ont pas coûté un centime à M. Belmont. Je comprends maintenant pourquoi vous êtes resté si longtemps chez lui. Ah, ben, c'était pour moi la place idéale. Bah voyons. M. Belmont avait en moi la plus entière confiance, et je peux le dire sans me vanter, elle était bien placée. Oh oui, oh oui. Ah, tous ses cahiers étaient parfaitement tenus, ses additions impeccables, ses bordereaux insoupçonnables, ça... Bah, il me regrettera. Sûrement. Ah, hein? Oui, alors pensez que pour 1 000 francs, c'est grotesque. Albert, je vous ai reconnu tout de suite. Vous me rappelez les meilleurs clients de papa. Oh, il faut absolument que vous lisiez ces livres. Alors là, maintenant, ils sont écrits pour vous. Vous les ouvrez à n'importe quelle page. Ça vous accroche tout de suite. Tenez au hasard. Tenez, le cambriolage de la Banque Nationale. Ah, lisez le ça. Le cambriolage de la Banque Nationale, le 27 juillet 1902, a rapporté 3 millions de francs or à son auteur resté impuni. On ne l'a jamais retrouvé. Jamais. Oh. L'homme qui avait agi seul avait préparé son affaire avec un souci du détail si minutieux qu'un enfant de 10 ans aurait pu l'exécuter. Mm-hmm. C'est passionnant, ça. C'était sûr que ça vous intéresserait. Le cambrioleur était entré. Oh, mon Dieu, quelle joie d'avoir trouvé enfin un lecteur digne de papa. Si tu savais comme je suis heureux. Jules, décidément, il n'a pas encore assez de travail. Lis. Bonjour. Très bien. Merveilleux, quelle merveilleuse journée, chérie. Ah oui, il pleut depuis ce matin. Ah là là, alors c'est une merveilleuse pluie, rafraîchissante, bienfaisante. Voilà, voilà, je dois donner des ordres à la cuisine. Alors je vous laisse et puis je reviens. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Tu entends? Elle chante! Oh, c'est terrible! Qu'est-ce qui est terrible? Eh ben, mon vieux, j'ai pas osé le dire devant elle, mais ça va de nouveau très mal. Vous avez retrouvé ma trace? Non, non, Dieu merci. Ah, ouf. Mais les experts comptables ont établi que chez Belmont, tu n'avais vraiment pris que 1000 francs. Ah, tout de même! La vérité a éclaté. Ah oui, mais ça n'arrange rien, hein. Ah, pourquoi? Eh ben, parce que le ministre des Finances a aussitôt contre-attaqué, disant qu'il était absurde de maintenir toute la police en activité pour un vol aussi ridicule. Le décret est revenu sur le bureau du prince, et s'il le signe, c'est la catastrophe. Quand Madeleine va savoir ça? Ah, ça, évidemment, ça serait terrible. Surtout pour vous. Ah, ben, pour toi aussi, hein. Nous serions expulsés de cet appartement, nous ne pourrions plus te garder, et tu n'échapperais pas à Barlatier. Bah, s'il n'y avait plus de police, je ne risquerais plus rien. Mais ne crois pas ça, ne crois pas ça. Il y aurait cet organisme liquidateur que Barlatier, justement, doit diriger. Et un organisme liquidateur, quand ça a tout liquidé, et ben, ça se liquide toi-même. Alors, tu m'as compris, hein, ça se bouscule pas. Ça se presse pas, le harakiri est un sport pour lequel on se bouscule pas sous nos climats. Oui. Et alors, Barlatier me garderait en prison? Bah, tu penses bien qu'il va pas te laisser en liberté, hein, pour que tu gênes l'enquête. Oui, mais il risque de me garder combien de temps? Ah bah ça, c'est pour tenir avec toi jusqu'à sa retraite. Sa retraite? Non, mais il est tout jeune. Ah bah il s'en fout, lui, il a tout le temps, hein. Mais c'est terrible, ça. Eh ben oui, c'est terrible. Ah, tu vois, hier, ça allait trop bien. Hier, j'étais heureux, je t'avais retrouvé, Madeleine t'avait adopté. Elle t'aime beaucoup, tu sais. Ah, beaucoup. Elle a l'air un peu comme ça, là, mais dans le fond, c'est une sentimentale. Et quand elle a quelqu'un à la bonne, tout lui est permis. Mais alors, tu crois qu'on ne peut rien faire? Pff, que qu'on fasse. Il faudra un miracle. Qu'est-ce que tu entends par un miracle? Ben, je sais pas, moi. Un beau crime, un énorme scandale, un détournement d'avion, je sais pas moi. Ou alors un vol, mais alors un vrai. Seulement, rien de tout ça ne peut arriver. Bah pourquoi pas? Bah parce que mes méthodes policières ont rendu tous ces délits mathématiquement impossibles. Je suis victime de mon génie. Et toi aussi, tu vois bien. Oui, je vois bien. Je vois même très bien. Bon, ben moi, pour me changer un peu les idées, je m'en vais faire un peu de lecture dans ma chambre. Ça s'est passé entre 1h et 2h du matin.
À la Banque Nationale. À la Banque Nationale. Et tu dis qu'ils ont emporté 20 millions 20 millions Tu te vantes. Pas du tout. D'après les premières constatations, le cambriolage a été un modèle du genre. Le veilleur de nuit n'a rien vu, rien entendu. Oh, Albert, on a cambriolé cette nuit le grand coffre de la Banque Nationale. 20 millions disparus. Albert, vous nous avez porté bonheur. 20 millions, c'est formidable. Nous n'avons aucun indice, aucune piste du travail de maître. Ce cambriolage me rajeunit de 20 ans. Allô, oui, mais bien sûr, monsieur, ne quittez pas, voulez-vous? La Tribune, le rédacteur en chef. Passe-le-moi. Allô, le préfet, l'appareil. Bonjour, cher ami, bonjour. Quoi? Vous faites une édition spéciale? Qu'est-ce qu'il y a? Ils font une édition spéciale. Une édition spéciale? Une édition spéciale. Ah, c'est merveilleux, Albert. Écoutez, cher ami, je donne une conférence de presse à 16h. Au ministère de l'Information, oui. Ah, non. Non, rien pour l'instant, non. Comment? Ah, rien, mais alors rien du tout. Au revoir, cher ami. Au revoir. Ils font une édition spéciale. Ça leur était pas arrivé depuis l'armistice. Ah, mes enfants, c'est la gloire, quoi. Jules, je dois faire amende honorable. J'ai porté sur toi des jugements sévères, je les regrette. Tu t'es énervé. Ah, je ne serais jamais plus capable de t'occuper un jour d'un cambriolage de 20 millions. Ah, bah tu sais ça, hein, c'est un coup de chance. Ah, je ne crois pas au coup de chance. Elle a raison, pourquoi être si modeste? Je vais être fière de toi, comme de papa. Bon. Allô? Qui? Ah, non, tout de même. Dites-lui que je donne une conférence, il n'a qu'à y venir. Enfin, s'il veut, merci. Qui c'était? Tu sais qui c'était? Non. Fougarel. Fougarel, du Grand Écho? Oui, le spécialiste de l'éditorial indigné. Tous les jours, il réclamait notre tête. Et voulait savoir s'il n'y avait pas un tuyau pour lui. Ah, ça comme culot, celui-là. Et savez-vous ce que m'a dit le prince? Tu as déjà vu le prince? Oh, mais tu penses, il m'a fait appeler aussitôt qu'il a été au courant. Ah, hein. Oui, ce matin, son Altesse n'était pas au golf. Non. Tu as déjà vu le prince pour un coffre-fort percé? Mon frère Albert. Mais vous ne vous rendez pas compte. Mais dans des pays comme la Suisse ou le nôtre, mais le coffre-fort est la richesse nationale. On ne le perce pas, on le profane. Et la suppression de la police, alors? Ah, la suppression de la police, il n'en est même plus question. Ah, vous allez avoir du travail, le maintenant. Le prince a été d'une gentillesse. Il m'a dit, mon cher préfet, je devine les difficultés de votre tâche, surtout que vous n'y êtes pas habitué. Oui, c'est ça. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le demander personnellement, c'est accordé d'avance. Arrêtez ce cambriolage, 20 millions, c'est formidable. Je voulais dire à madame combien j'étais content pour elle. Merci, Gorgepot. Imaginez-vous, j'ai appris la nouvelle chez mon beau-frère, aux casernes de police du vieux quartier. Si madame avait vu cette explosion de joie... Mais brave Jean-Paul. Surtout que déjà le bruit courait qu'on allait être augmenté. Augmenté? Madame, monsieur le préfet, quand des gens étaient payés si longtemps de rien faire, on peut pas leur donner du travail sans les augmenter. Mais il a raison, Jules, après tout. Il faudra étudier ça. Vous avez raison, quand je pourrais... Encore une fois, mais là, est-ce que je suis content? Est-ce que je suis content? Ne vous mettez pas dans un état pareil. Allô? Oui, c'est elle-même. Bonjour, monsieur. La télévision, le journal télévisé. Pardon? Si nous sommes au courant de l'affaire de la Banque Nationale, mais monsieur, nous ne parlons que de ça. Oui. Oh, un reportage en couleur. C'est très délicat ce que vous me demandez là. Je dois en parler longuement avec monsieur le préfet. Ne quittez pas. Le magazine féminin a décidé qu'aujourd'hui c'était moi la femme du jour. Ils veulent me filmer en couleur. Chérie, vous savez, monsieur, la femme d'un haut fonctionnaire doit savoir s'effacer. Une violette. Oh, vous êtes trop gentil, monsieur. Trop galant. Puisque vous insistez tellement. Eh bien, c'est oui, là. Comment tout de suite? Le journal de midi, aujourd'hui? Mais monsieur, je ne serai jamais prête. Non, laissez-moi un peu de temps. Vous êtes terrible. Les voitures sont déjà en route. Gorgepot, préparez-moi ma trousse à maquillage, ma grande capeline, mon sac en paille et mes gants. Ils veulent me filmer en couleur dans les jardins du palais. Mettez tout ça dans ma petite valise marron. Oui, peut-être irons-nous en studio après pour les gros plans. Dépêchez-vous, Gorgepot, ils arrivent. Oh, Jules, ça y est.
La télévision, les journaux, tout le monde recommence à parler de nous. Ça y est, nous sommes redevenus un grand pays. Et ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. Pas encore. Albert, son affaire est arrangée. Non. Déjà? Mais comment? Tout à l'heure, au milieu de l'affolement général, qui j'aperçois dans les couloirs? Belmont lui-même. Ah mon Dieu, alors là, j'ai pas perdu de temps. Hein. Je le fais rentrer dans mon bureau, je lui explique qu'avec ce qui venait de nous arriver, nous n'avions pas de temps à perdre à rechercher 1 000 francs. Je lui demande de retirer la plainte comme un service personnel. J'insiste, oui. Je lui rappelle certains souvenirs. Certaines affaires. il n'a rien à nous refuser, Belmont. Rien. Bref, pour finir, il accepte. Oh, il est formidable. Alors, tu restes encore ici quelques jours. La semaine prochaine, tu rentres tranquillement chez toi et tout ça est arrangé, tout ça est oublié. Pardon. Il y a eu ces articles dans les journaux, des accusations infâmes. Ah oui, c'est vrai, il faut que Belmont lui fasse des excuses publiques. Bon, écoutez, mes enfants, il faut quand même pas trop en demander, hein. Bon, alors je te promets que les journaux rattraperont ça. Un innocent déshonoré à la légère. C'est vrai, vous voilà innocent maintenant, Albert. Quel effet ça te fait? C'est drôle, je n'arrive pas à y croire tout à fait. Farceur, va. Madame, oh, ça y est. Ces messieurs de la télévision sont mon là. Dieu. Merci. Oui. Je suis pas arrivé à retrouver la petite valise de madame. Eh ben, cherchez-la, Gorgepot, cherchez-la, ça ne fait rien. Que madame ne s'inquiète pas, j'ai tout mis dans le sac écossais. Bon, bon, à tout à l'heure. Les stars ne doivent pas faire attendre. Oh, j'arrive, messieurs. Il y a des années que je l'avais pas vue aussi heureuse. Et ça ne fait que commencer. Ah, mon vieux, puisque je t'ai là, il faut que tu me donnes un coup de main. En nous y mettant tous les deux, avec ton intelligence et mon expérience, nous allons faire un coup d'éclat. On va te coffrer ce cambrioleur avant qu'il ait eu le temps de faire ouf. Quoi? Oui, mon vieux, l'arrestation foudroyante, c'est ma méthode. Ah oui. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça te plaît pas? Franchement, non. Et pourquoi ça? Parce que... Si tu l'arrêtes tout de suite, ce voleur, avant qu'il ait eu le temps de faire ouf, comme tu dis, demain, tu vas encore te retrouver sans travail, comme hier. Bah, tu sais où ça a failli vous mener. Ah oui, évidemment, évidemment. Ah, ça, c'est le grand danger de l'arrestation foudroyante. Oui, oui, mais quand même, si nous l'arrêtons comme ça, en 24 heures, les populations vont nous admirer. Ça va nous valoir un tel prestige qu'on n'osera plus... Ne crois pas ça. Si vous le coffrez trop vite, ce cambrioleur, les populations penseront que l'affaire était trop simple. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Oui. Alors toi, tu ferais traîner? Oui. Un peu. Beaucoup. Oh oui, mais alors si ça traîne trop, on va dire que nous sommes des incapables. On dira au contraire que vous avez bien du mérite de ne pas vous décourager dans une entreprise aussi difficile. Oui, ça, hein, c'est un point de vue. Ben, hein. C'est le mien. Oui, point de vue de débutant. C'est aussi celui de ton beau-père. Quoi? Pendant ces quelques jours, j'ai potassé ses livres. Non, en entier? Ça ne fait jamais que 2000 pages. Et alors, il dit quoi, le beau-père? Attends. Règle fondamentale d'une police bien menée. Il ne faut jamais arrêter un voleur trop vite. Tome 1er, page 12. Ah ben, j'avais pas lu jusque-là. Il ne faut jamais arrêter un voleur trop vite. Oui, bon, belle formule, mais ça veut dire quoi, ça? Ton beau-père l'explique. Le rôle de la police est de maintenir l'ordre public. Vrai ou faux? Vrai. Bon, le maintien de l'ordre public exige une police prestigieuse. Vrai ou faux? Vrai. Une police prestigieuse que si elle arrête des voleurs prestigieux. Continue, je te suis. Bon, c'est la raison pour laquelle il ne faut jamais... Vaillant, Jules, il ne faut jamais... À arrêter un voleur trop vite. 18 sur 20. Voilà. Mais évidemment, évidemment... Oh, évidemment, et moi qui l'avais toujours pris pour un imbécile, beau papa. Qui vole un œuf, volera un bœuf. Attends, pour l'arrêter, qu'il ait volé un bœuf. C'est sa règle. Arrêter le voleur d'un bœuf, c'est évidemment plus prestigieux. D'ailleurs, écoute. Pendant tout le temps que la police court après le voleur, la presse, le public vont suivre ses efforts, s'intéresser à ses opérations, espérer, renoncer, espérer de nouveau.
Chaque fois que le voleur échappe à un piège, il provoque l'admiration du peuple. Les femmes en deviennent amoureuses. Mais oui. Les hommes jaloux. Et c'est ainsi que se prépare la renommée glorieuse du policier qui, après les avoir laissés échapper 99 fois, ces voleurs, les arrête la centième. Ce sont les grands policiers qui font les grands voleurs, et vice-versa. Mais évidemment, évidemment! Avec l'arrestation foudroyante, ça non plus, c'est pas possible! Je ne te le fais pas dire. Ce sont les grands policiers qui font les grands voleurs. Voilà. Mais quand même un petit détail qui m'inquiète. À la fin, tout de même, ce voleur, je l'arrête. Pourquoi? Bah, comment pourquoi? Parce que c'est mon métier. Pas du tout. Comment pas du tout? Pas du tout. Ton métier, c'est de courir après les voleurs. Rien ne t'oblige à les arrêter. On n'a jamais révoqué un policier parce qu'il n'arrivait pas à arrêter un voleur. Non? Oui, 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 mais si on l'arrête pas, on va se foutre de nous. Mais pas du tout, Jules. Ce ne sont pas les victoires qui font les héros. Ce sont les batailles. J'ai une idée. Et si le voleur, finalement, on ne l'arrêtait pas? Plus j'y réfléchis, plus je pense que ce serait le mieux. Je vais essayer. Tu vas réussir. Surtout si tu m'aides. Compte sur moi. Oh! Oh, Albert, tu sais que tu es toujours aussi épatant, hein? Oh, je pense à une chose. Tu sais ce que tu vas faire? Non. Tu vas démissionner de chez Belmont et je t'embauche à mon cabinet. Je n'ai aucun diplôme. Attaché de cabinet est le seul poste dans le monde d'aujourd'hui où on ne demande qu'un diplôme. Et ce sera bien fait pour cette vache de Belmont. T'es d'accord? Non, non, non. Oh, oh non. Tu ne peux pas refuser. Tu gagneras 4 fois plus que chez Belmont. Non, non, non. Plus des avantages. En tout cas, moi, je considère que tu acceptes. Et en attendant, nous allons mettre tes principes. Ceux hein? de ton beau-père. Oui, 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 nos principes en application. Et l'ennui, c'est que mes hommes n'ont jamais appris à courir derrière un voleur sans l'arrêter. Ah, ça, évidemment, c'est toute une éducation à refaire. Il faudrait pas qu'un andouille qui se laisse aller à son naturel et qui me le cravate, ce voleur. Ça serait la catastrophe. Moi, vois-tu, sur ce point, je reste optimiste. Mon flair... Oh, Albert, tu parles déjà comme un policier. Ça peut être l'effet de l'atmosphère ambiante. Mon flair me dit que ce voleur a retrouvé une excellente cachette. Là, voilà. Oh, quel bruit en ville et quelle foule pour me voir tourner. Les techniciens, qui s'y connaissent, m'ont dit que j'avais la photogénie d'Alice Sapritch. J'ai refusé plus de 10 invitations à dîner. Toutes ces dames veulent avoir Jules à leur table pour qu'il leur raconte tout. Tout, enfin tout ce qu'il sait. Quant à Albert, il faut que son innocence soit proclamée par la presse comme un fait national. Qu'il devienne un héros aussi. Comme ça, on l'invitera avec nous. Je t'ai déjà dit que j'en faisais mon affaire. D'autant plus que tu ne sais pas tout. Il y a du nouveau. Il y a du nouveau. Monsieur le préfet, j'ai là le directeur des bâtiments officiels qui veut vous parler personnellement. Il insiste. Qu'est-ce que je fais? C'est aussi le directeur du mobilier national? Oui, madame. Oh, Jules. Jules, il vient te faire ses excuses. J'espère que tu vas lui dire ce que tu penses de lui, de ses procédés et de ses sbires. Compte sur moi, il va m'entendre. On va. Ah, on a aussi téléphoné pour dire que M. Belmont avait retiré sa plainte. C'était une erreur. Il a envoyé un communiqué aux journaux. Ah ben, ça n'a pas traîné. Ah, je suis bien content pour M. Landier. J'ai toujours eu confiance en moi. Merci, Gorgepot. Merci, merci, Gorgepot. Merci beaucoup. Voilà. Oh, mon amour, embrasse-moi vite. Et dis-moi ce que c'était, ce nouveau dont parlait Jules. Je suis si impatiente. Bien, Jules veut que je travaille avec lui dans son bureau, dans son cabinet. Oh, c'est bien une idée de cocu, ça. Voilà, enfin. Oh, c'est même la meilleure idée qu'a jamais eu un cocu. C'est merveilleux, nous ne nous quitterons plus. Embrasse-moi. Si je reviens, voyons. Oh, toi, tu ne m'aimes plus. Oh, mais si, je t'aime. Non, ah. Non. Là. Tu crois que c'est un baiser d'amant, ça? Je ne sais pas, j'ai pas l'habitude. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Que je l'aime, moi, l'habitude, Albert? Attention à ce que tu dis. Madeleine, je t'en supplie. Et toi, tu as des remords, tu regrettes, je suis sûre que tu regrettes. Moi, regrette? Et pourquoi? Je ne sais pas, pour Jules. Pour des raisons d'amitié, de loyauté, de fidélité. Vous avez des idées si bizarres, les hommes. Ça, bien sûr, il est certain que je trompe Jules sous son toit. Mais c'est pas ta faute, tu peux pas sortir. Ah non, embrasse-moi vite. Oh, attention, gorge. Mesdames,
Madame, ça y est, oui. J'ai retrouvé. Quoi donc? La petite valise de madame. Oh. Mais savez-vous où elle était? Non. Sur la plus haute étagère de la penderie, avec pour aller la chercher là. Oh, oui. D'ailleurs, de toute façon, j'aurais pas pu la donner à madame. La serrure est détraquée, elle s'ouvre toute seule. Voilà, alors il faut la porter à réparer tout de suite. Oui, mais il faudrait la vider, je retrouve pas la clé. Mais pourquoi la vider? Elle est vide. Ah, c'est non, pas la peine. Non, elle pèse pas comme une valise vide. Enfin, écoutez, elle était vide, c'est pas grave. Pas comme ça, je vais l'ouvrir, moi. Merci. Enfin, c'est ridicule, je dois avoir un doute de cette clé quelque part. Gorgepot, dans ma chambre. Vous verrez dans le premier tiroir de ma commode, vous trouverez une petite boîte qui doit être sous le... Oui, sous le coffre à bijoux, voilà. Je sais, je trouverai, j'ai l'habitude. Merci beaucoup. Quelle merveilleuse nouvelle. Ah, dans le cabinet, avec Julien. Oh, regarde ce que j'avais fait pour que tu sois tous les jours avec moi. Hop là. Oh, tu es folle. Mais non, complètement mon folle, prince. C'est toi, mon prince. Tu es là tous les jours avec moi. Embrasse-moi. Oh, tu vas la poser, cette valise. Madeleine, mais qu'est-ce que c'est? Oui. Délicatement. Qu'est-ce qu'il y a avec cette valise? Non, voilà, il faut que je t'avoue quelque chose. Oui, quoi? Hier soir, je suis sorti. Tu es sorti, mais tu es fou! Oui, non, Mais je suis allé chez moi pour récupérer des documents, des souvenirs de famille que je ne voulais pas laisser traîner dans mon appartement. Alors, oui. J'ai emprunté cette valise dans Oui, c'est d'une imprudence folle. Ne raconte pas ça à Jules, il ne te le pardonnerait pas. Oh, alors il y a dans cette valise les souvenirs de toute ta vie, tes souvenirs de famille. Tu sais que c'est très émouvant, que je meurs d'envie de les découvrir. Non, non. Oui, embrasse-moi. Ah, mes enfants, vous savez pas ce qu'il me voulait, le directeur des bâtiments officiels. Non. Me demander si ça ne me dérangeait pas qu'on refasse mon bureau. Quoi? Ça faisait 5 ans, Albert, 5 ans que je l'ai réclamé, ces travaux. Et d'un seul coup, il me remet tout à neuf. Les lambris, les boiseries, les doubles rideaux, les moquettes. Il doit m'envoyer les échantillons. Il parle même de me mettre de la moquette pour pré-or. De la moquette pour pré-or? C'est ce qu'il m'a dit. Pour pré-or, c'est merveilleux, ça, Albert. Ah, pourquoi? Mais parce que c'est la moquette réservée aux ministres. Les hauts fonctionnaires n'ont droit qu'à la gris-souris et les services aux poils de vache. Et tout ça, nous le devons à ce voleur, mais c'est le Père Noël. Le Père Noël, quoi. Albert, mais où tu t'en vas? Moi? Pas du tout. Mais cette valise, alors, qu'est-ce que tu fais? Ça? Ah ben ça, c'est une valise. C'est une petite valise. Oui, c'est ma petite valise à moi. Tu ne la reconnais pas? La serrure est détraquée, je dois la porter à réparer. Merci, Albert. Qui l'attend? Fermez la porte. Qui l'attend? Vite, oh là là, attention. Mais qu'est-ce qu'il me veut encore? Allez-vous-en, vite, ah, vite. T'en prie, ne reste pas là. Hein. Oh non. Je le connais par la clé, si ça patiente, il est capable d'entrer. Et si t'aperçois, alors là, c'est... J'ai eu la raison, c'est d'une imprudence folle. Allez dans votre chambre. D'accord, tout de suite. Dépêchez-vous, allez. Vas-y, écoute. Il est là. Il est... Vas-y. Oh, écoute. Il prend le shérif quand t'as le verre. Ça y est, il est parti. Mais comme tu es nerveux, le shérif, c'est à cause de Barlatier. Je sens que ça va être terrible. Je suis sûr que tu vas t'en sortir très bien. Ben le mieux, qu'est-ce que tu veux? Le mieux est de se jeter à l'eau, n'est-ce pas? C'est ça, jette-toi. Bon, reste derrière la porte. Oui. Tiens, tu me diras si je m'en suis bien sorti. Je suis là, mon chéri. Tu bouges pas. Je t'écoute. Tu restes avec ton petit mari. Oh mon Dieu, non. Non, ne nous affolons pas. Il ne faut jamais arrêter un voleur trop vite. Il ne faut jamais arrêter un voleur trop vite. Bon. Gorgepot, faites entrer le capitaine. Capitaine Berlatier. Bien respect, monsieur le préfet. Alors, monsieur le préfet, il est cuit. Cuit? Cuit! Demande pardon, monsieur le préfet, mais je voudrais prendre la clé de la valise. Oh, écoutez, Gorgepot, s'il vous plaît, fichez-nous la paix avec cette valise, hein? On va la faire réparer, bon, c'est ben, la écoutez, clé. C'est pas pressé. Alors asseyez-vous, prenez de quoi écrire, et vous noterez mes décisions. Cuit, disiez-vous, Barlatier, mais qui est cuit? Mais notre homme, monsieur le préfet, le cambrioleur de la Banque Nationale. Cuit, imaginez-vous! Barlatier, je vous arrête! Moi, monsieur le préfet, mais je suis innocent. Non, je veux dire, ne vous emballez pas. Asseyez-vous, Barlatier. Mais rendez-vous compte, monsieur le préfet, que nous avons une empreinte. Une empreinte? Oui, monsieur le préfet, une empreinte de doigt, parfaitement visible, relevée sur le coffre même. Et fausse, naturellement. Fausse, pourquoi fausse? Pour vous induire en erreur, Barlatier. C'est enfantin. C'est impossible. Impossible n'est pas policier. Belle formule, monsieur le préfet. Merci, Gorgepot. Barlatier, s'il vous plaît, ne nous emballons pas. Bon, alors voyons, Barlatier, procédons méthodiquement. Vous avez interrogé le veilleur de nuit. Tout de suite, vous pensez? Bon, et alors? Il ne savait rien. C'est sûr? Certain. Bravo! Oui, mais oui, il vaut mieux un témoin qui ne sait rien qu'un témoin qui donne de faux renseignements. Mais... Vous allez reprendre son interrogatoire. Il faut être vraiment sûr qu'il ne sait rien. Il est marié,
Oui. Vous interrogerez sa femme. Il a des enfants? Non, il vit avec sa belle-mère. Vous interrogerez la belle-mère et le beau-père. Ah, mais il est muet. Il est muet? Oui, muet, souris muet. Oui, il est muet ou il fait le muet? Oh, il ferait le muet depuis 76 ans. Oui, alors là, c'est qu'il est muet, oui. Bon, ben, ça fait rien, vous interrogerez les voisins. Monsieur le préfet, je vous assure, c'est une fausse piste. Et alors? Mais une fausse piste, monsieur le préfet. Il faut la suivre. Mais elle ne nous mènera à rien. Une piste mène toujours quelque part. Ne serait-ce qu'à constater qu'elle ne mène à rien. Barlaki, encore une fois, vous vous précipitez, n'est-ce pas? Ah, mauvais ça, hein? Ça vous jouera de mauvais tours. Souvent, dans l'enquête policière, qui croit avancer trop vite, recule. Rebelle formule, monsieur le préfet. C'est de qui? C'est de moi. Barletti, vous allez me suivre cette fausse piste jusqu'au bout. C'est bien noté, Gorgepot. C'est bien noté, monsieur le préfet. Monsieur le préfet, je vous assure, c'est sur cette empreinte que nous devons partir. Vous êtes têtu. Ouh là là. Ouh, vous êtes têtu, que vous êtes têtu. Eh bien alors, allons-y. Partons sur cette empreinte. Votre empreinte. Ah, mais c'est pas la mienne, monsieur le préfet. Oui, évidemment, évidemment. Et vous avez trouvé au fichier central une empreinte qui soit la même? Hélas, non, aucune ne correspond. Bravo. Comment bravo? Ben oui, si aucune empreinte ne correspond, je dis bravo. Parce qu'aussitôt, n'est-ce pas, cette empreinte devient très intéressante. Réfléchissez. Un cambrioleur, n'est-ce pas, dont les empreintes ne sont pas au fichier central. Oui. Hein? Oui. Bon, n'a aucune raison d'en laisser des fausses. Donc elle est vraie. Vous voyez? Sans me précipiter, moi, j'avance. Alors, voyons. Comment utiliser cette empreinte? Il faudrait, pour comparer, prendre les empreintes de tous les citoyens de la principauté au-dessus de 15 mois. Très bonne idée, Gorgepot. Mais monsieur le préfet, vous vous rendez compte du travail? Le travail ne nous fait pas peur. Mais pendant ce temps-là, monsieur le préfet, le voleur continue, court toujours. Justement, il s'essouffle. Mais ben, s'il continue? Comment? Il continue ou il s'essouffle? Si quoi? Mais s'il continue? S'il continue? S'il recommence? S'il recommence, c'est là que je l'attends! C'est là que je l'attends! Mais comment? Qui vole un œuf, volera un bœuf. Attendez pour l'arrêter qu'il ait volé un bœuf! Qui vole un bœuf? Non. Vous savez, hein? Qui vole. Hein? Bon, vous voyez, là, bon. Qui vole un œuf, un petit œuf, volera un bœuf! Attendez pour l'arrêter qu'il ait volé un bœuf, car il est tout de même plus facile d'arrêter le voleur d'un bœuf que le voleur d'un œuf. Mais monsieur le préfet, 20 millions, ça fait déjà un gros œuf. Oui, évidemment. Évidemment. Oui, mais enfin, quand même, réfléchissez. S'il laisse encore une empreinte, et que cette empreinte, ce soit la même que celle que nous avons, vous vous rendez compte de notre avantage? Ah non? Lui, il a trouvé tout de suite un vieux de la vieille. Mais nous aurons enfin des empreintes qui correspondent. Autre chose. L'archiviste assure qu'un vol identique avait déjà été commis. Ah oui, le voleur était? On ne l'a jamais su. Il y a longtemps? 50 ans. 50 ans? Oui. Vous vous rendez compte? 50 ans. Et nous, il y a à peine 3 heures que nous sommes... Nous ne sommes pas en retard, Barlatier. On a des détails sur ce vol. Ah, il faudra entreprendre un énorme travail de recherche. Nous avons des tonnes d'archives et pas très en ordre. Ça risque de demander 6 mois. 6 mois? Oui. 6 mois, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Oh. Vous y mettre et tout de suite, Gorgepot, accompagner le capitaine. Mais monsieur le préfet, mon cher Barlatier, je vous assure qu'aujourd'hui, nous avons perdu assez de temps dans la lutte que nous avons entreprise contre le crime. Toutes les minutes comptent. Au revoir, mon capitaine. À vos ordres, monsieur le préfet. Bravo, chérie, tu as été formidable. Oh, j'ai l'impression d'avoir été assez bien, oui. Ce qu'il était difficile, tu sais, l'animal. Dans ta poche? Tu l'as mis tout simplement dans ta poche? Ah, je crois en effet qu'aujourd'hui, nous avons fait un grand pas en arrière. Si papa t'a vu, il a dû être heureux. Ah, j'avoue que j'aurais jamais cru que ce fût si facile d'appliquer ces méthodes. Mais c'est pas facile du tout, chérie, c'est toi qui as du talent et de l'autorité. Attention, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Ce sont des souvenirs de famille. C'est de l'argent. C'est de l'argent, des billets tout neufs et encore le cachet de la banque. Banque nationale. Quoi? Banque nationale. Banque nationale. Jules, ce sont les millions de la Banque nationale. C'est pas vrai. Et le cambrioleur de la Banque nationale, c'est Albert. Albert? Nom de Dieu, où est-il? Il s'est enfui. Il ne se met pas dans un état pareil. Il ne serait pas parti sans ça. Et puis quoi, tout ce qu'il a fait, c'est pour nous. Pour nous remercier, pour nous sauver. Ça, c'est un ami. Mais... Oh, ça, c'est... Peut-être. Ah oui, ah si. Mais chérie, ces millions ne peuvent pas rester là. Comment? Dans l'appartement du préfet de police? Ben, où peuvent-ils être plus en sécurité? Mais dans leur coffre, à la banque. Ils y étaient, dans leur coffre, à la banque. Tu vois ce qui leur est arrivé? Qu'allons-nous faire, chérie? Quoi? Mais pourquoi faire quelque chose? Mais Madeleine, avec Albert... Nous savons que c'est lui. Nous savons que c'est lui. Écoute-moi bien. Mais lui ne sait pas que nous le savons. Donc nous avons barre sur lui. Mais c'est vrai, alors nous pouvons faire comme si de rien n'était. Exactement. Oh, j'aime mieux ça. Nous faisons comme si nous ne savons rien. Il faut qu'il ne se doute de rien. Remettons tout en place, dépêche-toi. Mon Dieu, mais comment a-t-il pu réussir ce coup-là? Il avait sans doute des dons cachés. Oh, mais tu parles. Ça prouve surtout que c'était pas difficile. Hein. Ah, ça, je ne suis pas du tout de ton avis. Mon Dieu, je le revois là, écoute, je le revois là le premier jour. Pour bouleverser, pour un vol de 1000 francs. Oui. Et aujourd'hui, allez hop, 20 millions, non, t'as sûr. Je dois dire qu'il a évolué avec une rapidité. Oh. Pas n'importe quoi, mais pas chérie, petit tas. Mais chérie, je sais plus ce que je fais. Petit tas. Je deviens fou. Ça me rend malade. Comme ça, il ne peut s'apercevoir de rien. Mais il y en a encore plein. Mais si, mais si. Oh là là. Et je voilà, c'est exactement comme avant. Il n'y a pas un billet qui a volé quelque part, hein? Non. Mais dis-moi, la valise, oh, elle aurait pu s'ouvrir tout à l'heure, devant en Barlatier. Oh, c'est vrai. Tu te rends compte avec j'ai tous pas les pensé. Billets. Oh, Madeleine, rien qu'à cette idée de retour, je me sens pas bien, Madeleine. C'est ça, assieds-toi. Oh, je m'attourne. Assieds-toi. Jules, mais qu'est-ce qu'il y a? Jules, Albert. Je suis mal. Albert, Jules n'est pas bien. Jules n'est pas bien. Oh, ça va mieux? Oui, ça va mieux. Mais Jules. Oh, mais c'est Barlatier qui l'a mis dans cet état. Non. Oui. Ah oui, ça a été terrible. Ça a été affreux. Ça a été... Barlatier a relevé une empreinte, figurez-vous. Une empreinte? Ah non, où? Sur le coffre même. Ah ça alors? Notre cambrioleur génial a commis une faute, une seule, et Barlatier a sauté dessus. Oh. Mais il fallait voir comment Jules l'a contré. Oui, m'écoutez derrière la porte. Oh ça, il a été extraordinaire. Il a été... Jules, j'ai comme un pressentiment. Oh, je sens que notre cambrioleur va remettre ça. Quoi? Oh, je te dis que je le vois très bien. Commettant un deuxième cambriolage. Voyons, Madeleine, tu n'y penses pas. Non, mais j'y pense tout à fait, au contraire. Mais rends-toi compte, à son premier coup, le prince te reçoit. On te refait ton bureau, les peintures, les lambris, les moquettes, pourpre et or. On nous invite partout. Mais à son deuxième coup, Jules, on nous rendrait peut-être les brigades d'élite. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, deux brigades de motocyclistes qui rayonnaient dans tout le pays et pouvaient foncer à 200 à l'heure sur les malfaiteurs. Oui, oh, hélas, il n'y en avait pas. Mais ils ont rêvé à réussir à les faire supprimer l'année dernière. C'est papa qui les avait créés. Et c'était moi la marraine. Quand on les a supprimés, Albert, c'est comme si on m'avait arraché des enfants au sein. Ah, ça, elle en a été malade. Oh, Jules, tu dois nous venger de toutes ces humiliations qu'on nous a fait subir. On ne t'a pas demandé ton avis pour les supprimer. Ah non. Tu dois imposer leur renaissance. Et puis, il faut que ce soit un premier pas vers un avenir brillant, sublime. Tu dois être le grand chef d'une grande police. Tu dois dépasser papa. Mais chérie, tu crois vraiment que je peux atteindre ces sommets? Je n'en ai jamais douté. Mais pour ça, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Profiter de la vitesse acquise. L'opinion publique est ébranlée, il faut la faire chavirer. Tu as raison. J'ai raison. Je sais, j'ai toujours raison. Mais pour ça, il faudrait que ce cambrioleur nous fasse un deuxième coup. Un deuxième coup. Ah oui, mais oui, il faudrait que ce cambrioleur nous fasse un deuxième coup. Ah, il ne peut pas le faire immédiatement. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, Albert? Vous n'avez pas l'air d'accord. Oh, moi aussi, oh, bah, non, c'est non. Mais Madeleine a raison, tu n'as pas l'air enthousiaste. Oh, ça non, je dirais même plus, vous avez l'air contre. Moi, pas du tout. Ah oh, non, mais si tu as quelque chose contre, dis-le franchement. Pas du tout, seulement quand je vous vois vous exciter comme ça. Moi, j'ai peur que vous soyez déçus.
Déçu? Mais déçu par qui? Bah, par ce cambrioleur. Par ce génie impossible. La façon dont il a travaillé prouve qu'il est extraordinairement doué. Ah, il a tout de même laissé une empreinte. Une petite empreinte de rien du tout. À peine visible, et encore, on n'est même pas sûr qu'elle soit de lui. Oh, puis un homme qui réussit un vol de cette envergure n'en est évidemment pas à son premier coup. Et un homme qui n'en est pas à son premier coup n'en est jamais non plus à son dernier. Et puis son succès devrait l'encourager tout de même. Enfin quoi? 20 millions! 20 millions! Justement, 20 millions, ça lui donne le temps de souffler. Avant qu'il les ait dépensés, ces 20 millions. C'est pas forcément un voleur économe. Moi, je le vois très bien, brillant, généreux, couvrant de bijoux, de cadeaux, une maîtresse qu'il adore, par exemple, alors. 20 millions à ce là, vous savez. Ah, et puis, croyez-moi, hein, il n'a pas intérêt à nous décevoir. Oh non. Ce sont les grands policiers qui font les grands voleurs. Encore faut-il que les voleurs y mettent du leur. Papa disait toujours, avec un voleur qui n'a pas d'avenir, il est inutile de perdre son temps. On le coffre. Et puis alors là, ce sera vite fait, hein, avec notre empreinte. Je disais qu'elle n'était pas de lui. Oh, oh. C'est évident qu'elle est de lui. Une empreinte superbe, une empreinte pour le musée de la police. Pas garantir qu'il le fera. Oh. Je ne peux pas non plus garantir qu'il ne le fera pas. Ah, vous devenez raisonnable, Albert. Ah oui, mais alors il faut qu'il le fasse vite. Oui, ouais. Très vite. Et vous qui n'êtes plus raisonnable, ça veut dire quoi, vite? Dans quel délai? Oh, ben je sais pas, moi. 15 jours. 15 jours. Oui. 15 jours? Oui. C'est trop? C'est pas assez, au contraire. Bon, mettons un mois et n'en parlons plus. Ah oui, mais un mois, mais pas plus. Un mois, c'est très juste, un mois. Nous ne monterons pas au-dessus d'un mois. Ah, et si d'ici un mois, il n'a pas recommencé, moi, je le livre à Barletier. Moi, il faut tout de même que le cambrioleur repère sa banque. Oh, bon, ça, alors écoute, ça devrait pas être un problème. Écoutez, nous en avons partout, des banques. Il n'a vraiment que l'embarras du choix. Alors, la BLDI, le groupe Helvetia, le comptoir européen, le Louvre, le comptoir commercial. Surtout que dans tout ça, il y en a des faciles. Oh oui. Lesquels? Le comptoir commercial. Ben oui, le comptoir commercial, par exemple. Tout est tellement vieux là-dedans, des labos, d'accord, entre... Oh, le comptoir commercial, hein, avenue Wilson, en plein centre. Oh, ben tu sais, le centre de la ville, passé une heure du matin, il n'y a plus un chat. Attendez, dans son premier tome, papa raconte un cambriolage qui a été fait à l'époque au comptoir commercial. Et il y a encore les plans de tous les sous-sols. Mais oui, mais oui, il y a tous les plans de tous les... Voilà. Mais c'est extraordinaire, ça. Alors voyons, comptoir commercial, évidemment. Alors, voyons. Eh ben, oh ben, écoute, franchement, ça me paraît pas sorcier, tout de même, d'entrer là-dedans, hein. Bon, alors, voyons, comment attirer l'attention de notre homme sur la possibilité d'un coup au comptoir commercial? Il y a un moyen. Oui. Pendant quelques temps, les patrouilles de nuit pourraient éviter tout le quartier de l'avenue Wilson. Très bonne idée, Madeleine. Faut encore qu'il arrive au coffre. Ah, oui. Oh! Eh ben, il n'a qu'à passer par là. Par derrière, là, par l'entrée des fourgonnettes. Rue du Square. Rue du Square. Oui. Je crois que la nuit, elle n'est pas gardée. Bah oui, il faudrait que tu en sois sûr. Oui. Hein. Bon, ça peut s'arranger. Oui, mais en fait, il y a aussi tous les appareils de sécurité, les signaux d'alarme, les sonneries. Ah oui. Ah oui, les sonneries. Ça doit être. Non, ce n'est pas là. Eh ben, écoutez, tout ça fonctionne à l'électricité. Ah oui. Il n'y a qu'à couper le courant. Quoi? Si pendant quelque temps, sous un prétexte quelconque, une panne de secteur pouvait se produire à heure fixe, oui, ça pourrait tout de même donner des idées à notre homme. Non mais attention, une panne de secteur à heure fixe, tu crois que ce serait possible? Mais chérie, c'est Dumontel qui est responsable. C'est Dumontel maintenant? Oh, c'est Dumontel alors, il n'y a qu'à téléphoner. Avec tout ça, d'ici un mois, écoutez, moi, j'ai confiance. Et puis alors moi, je le répète, hein, je le répète, si d'ici un mois, il n'a pas recommencé, je le livre à Barletier. Bon, bah, toute réflexion faite, je crois qu'il recommencera. Merci Albert. Merci de cet optimisme. Mais oui. C'est vrai. Je voulais te dire autre chose, Jules. Ta proposition d'entrer dans ton cabinet, ma décision est prise, je l'accepte. Ah, et...